Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la journée du lundi 18 novembre 2019. Alors, cette semaine, avec le 77 d'Aliaske, comme je vous ai dit la semaine dernière, avec l'oracle bleu pour, on va dire, l'aspect émotionnel des choses, et puis le petit message, cette fois-ci, ce sera les cartes du bien-être. J'ai bien compris que les pierres ne plaisaient pas à tout le monde et qu'il ne fallait pas que cela devienne un incontournable. J'ai bien compris, même si moi je l'aime bien, mais après tout, voilà, on est là pour faire plaisir à tout le monde et pour que cela parle à tout le monde. Donc c'est parti. Voilà. Alors, recouvrons les deux cartes qui ne se sont pas montrées. Les ongles auront poussé. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça devrait être une journée très, très sympathique, hein, ma foi, parce qu'on a les choses qui... la carte numéro 17, pour moi, c'est les choses qui tournent bien, en fait, hein. C'est les choses qui avancent, les choses qui se construisent, les choses qui se transforment, les choses qui mutent, plutôt positivement, en fait, hein. C'est un peu la notion du serpent, mais sans douleur, vous voyez, ça change, mais plutôt la cigogne, du coup, voilà. Et puis, pour moi, c'est quelque chose... qui va vraiment être lumineux, qui va vraiment aujourd'hui être positif, qui va éclairer cette journée. Ça peut être de l'ordre d'une signature, ça peut être un engagement, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut... En tout cas, c'est très très positif. Et pour moi, c'est, on va dire, la concrétisation et... Parce qu'on a aussi la carte de la construction, hein, de l'avancement. La carte qui va nous parler d'entreprise, qui va nous parler de force active... qui va nous parler de construction. Voilà, de construction, pour moi, là, on est plutôt aux alentours de... On s'approche de l'hiver, quoi. Après, moi, je ne veux pas vous parler en termes de saison, mais je veux vous dire que peut-être, cette semaine, déjà, avec la carte, cette carte-là, c'est la carte de l'hiver, ça va me dire que peut-être on a vraiment attendu pour ça, en fait, et que là, les choses bougent, et que c'est pas fini, ça n'a pas fini de bouger, et que on va commencer à récolter les fruits, peut-être cet hiver, les fruits de ce qui va se passer cette semaine, vous voyez. On est sur un truc, sur du long terme. Aujourd'hui, c'est une journée où on va peut-être poser les bases pour quelque chose qui va payer peut-être le mois prochain ou le mois d'après, vous voyez. Donc, voilà. On est plutôt de cet ordre-là. Mais c'est plutôt une journée très, très positive, quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Alors, maintenant, allons voir pour le côté émotionnel. Ça devrait être cool aussi. Oula. Bon, on en a eu trois, je vais les prendre. Alors, nous avons eu l'abondance, l'eau, les émotions, et nous avons eu l'indécision. Voilà. Alors, je vous les montre un peu plus. Alors, pour moi, la semaine dernière, il y a une journée où je vous ai dit que vous alliez devoir prendre le temps pour prendre une décision. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et même si on vous poussait à prendre cette décision rapidement, ne pas justement vous précipiter pour prendre cette décision. Et bien là, pour moi, on est dans ça. On est dans la continuité. En fait, on a l'abondance émotionnelle, même si... on se pose quand même la question de savoir du coup où cela nous mène, qu'est-ce qu'on a envie par la suite. Voilà, on est dans cette ambivalence entre je reçois et en même temps je ne me contente pas de ça, en fait, hein. J'ai envie d'un peu plus, en fait, hein. Et puis je veux prendre le temps avant de donner ma réponse, il n'y a pas de raison, en fait, hein. On est encore dans cette énergie-là, émotionnellement, j'entends. Ensuite, avec la carte du bien-être, donc pour le message de cette journée, nous allons avoir... Alors, évidemment, j'ai pas retiré la petite carte. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là. Oui, parce que les autres préparent leurs vidéos, en fait, Founé. Et toi, t'arrives en mode... Wouh! Well again, hein? Alors, je remets bien à l'endroit. Ah bah, voilà. Nous avons aide. Cette carte-ci. Et elle vous dit, demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Voilà. J'espère que cette carte aura pu vous parler, que ce tirage en entier aura pu vous parler. Et sur ce, donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut !